répète, de Nice à Cézanne, un bien à l'heure qu'il est. Hier après-midi, il a donc abattu un homme qui a braqué son magasin. On ne sait pas encore en détail ce qui s'est passé. Vers 16h30, le malfaiteur entre dans la bijouterie, semble-t-il muni d'une arme tirant des balles en caoutchouc. A-t-il menacé le bijoutier et sa femme? A-t-il pointé son arme sur eux? Ce qui est certain, c'est qu'il ressort quelques instants plus tard, blessé à mort de 4 balles de 9 mm. Il titube et s'écroule. Le témoignage de Nicolas au micro RMC de Pierre Tchekagini, notre envoyé spécial dans la Marne. Le plan épervier a été déclenché rapidement après ce braquage pour retrouver un malfaiteur qui aurait pris la fuite pendant cette fusillade. Le bijoutier venait de